part, le numéro 195, Gustav Helin. Rejoint actuellement avec l'occasion, bien sûr, de retrouver échéance qui nous permettra de retrouver la prochaine des arrivées, en particulier le chauvinisme. On parlait de la Bretagne il y a quelques instants avec la Dame Bretagne qui va en terminer, et en particulier par celle qui va bien sûr faire ses armes sur ce Tour de Bretagne. Et l'équipe de Bretagne qui va en terminer, des applaudissements qui seront mérités pour Anne Etienne, championne de Bretagne contre la... Ensuite suivra le dossard numéro 4, Olson Sarah. Réalise la 38e meilleure performance de ce prologue individuel. On va de nouveau, sous l'œil à nouveau président du comité de Bretagne avec l'ADN Bretagne, et en particulier à l'arrivée dans quelques instants à Odès Lefond qui nous rejoint, qui avait obtenu référence cette année à l'occasion du critérium. Ensuite, nous attendons le... qui avait remporté échéance sur le territoire de Janzé l'an passé, qui était également lauréate à l'occasion du critérium de Saint-Denoël et de Saint-Martin-des-Loyers, c'était en 2011, qui avait obtenu de multiples belles performances sur la semaine cantalienne. Là, tu perds pas de temps dans les virages, super, super, allez, allez. Allez, tu gardes ton braquet le plus longtemps possible. Allez, Hélène, allez, c'est super, allez. Ah, super, dès que tu vois que tu perds un peu de vitesse, tu relances, mais pour l'instant, c'est super. Allez, Hélène, super. Excellent ce que tu fais, là. Tu prépares ton virage, tu te mets sur la gauche. Tu vas nous prendre un bon virage, là, comme tout à l'heure. Allez. La seule qui a passé en danseuse, mais c'est celle qui a passé le plus vite. La 6, je veux dire. Allez, on relance, allez Hélène, allez. Voilà. Allez, il passe bien celui-là. Il passe bien Hélène, allez. Putain, je dis, tu te relâches 30 mètres avant, passe à 60 mètres. Aïe, aïe, aïe. Allez Hélène, une grosse relance là, une grosse relance là. Allez Hélène, allez, allez, c'est là que ça se joue. Hein. Allez ma grande, tu montes le compteur là. Allez, allez, allez. Allez, on s'arrache, allez, 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 jusqu'au poteau. Allez, 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 allez. Alors donne tout maintenant, Hélène, t'es déjà à mi-parcours là, allez, tu passes bien cette courbe, après ça replonge, après tu vas gagner de la vitesse là, allez, allez. Allez, on relance si on peut la sortie du virage là, allez Hélène, allez, allez. Ah, ce virage, elle l'a passé, mais... Hein ? Elle a passé à 3 km en ville, le virage, je crois pas. Là-bas, là ? Ah, putain. Bah, attends, oui.
Allez, Hélène, on s'arrache. Allez, 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 allez. Tu vas te décaler tranquillement sur la gauche pour préparer ton virage. Et celui-là, il passe bien, Hélène. Il passe à bloc, là. Allez. Allez, c'est l'avant-dernière relance. Là, on donne tout, Hélène. C'est maintenant que ça se joue, là. C'est chaque mètre qui est important, là. Allez, on s'arrache. Allez, allez, allez. Tu te mets sur la gauche. Tu suis la moto. Sur la gauche. Allez, allez. Allez, tu plonges sur la droite et là, on prend le maximum de vitesse, là. Là, on donne tout pour prendre le max de vitesse. Allez, on plonge, Hélène. Sur la gauche, là. Tu plonges sur la gauche. Allez, allez. Allez, la vitesse que tu as acquise, tu la gardes. Là, on donne tout dans le pied de bosse. Là, on donne tout dans le pied de bosse pour garder la vitesse, là. Allez, Hélène. Allez, allez, on s'arrache. Allez, allez, allez. Allez, 200 mètres. On donne tout. C'est un sprint final, maintenant, Hélène. Allez, allez, allez. 2,58. Allez, on donne tout et là on va se décaler sur la gauche pour préparer la courbe. On se décale sur la gauche. Allez, Hélène, allez, allez, allez. Là, c'est un sprint jusqu'à la ligne, un sprint jusqu'à la ligne. Allez, Hélène, allez, allez, allez. On s'arrache jusqu'à la ligne. Allez, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout. Top, top. Allez Coco, super, super, on prend le max de vitesse dès le début. Hein. C'est super court, ça se joue dès le début là Coco. Allez, 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 max de vitesse, c'est super, t'es à 45 à l'heure. Super, 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 allez, tu peux te rasseoir pour le virage maintenant. Allez voilà, maintenant dans les virages tu perds pas de temps, hein. Tu les connais, ça passe super vite là-dedans, ça passe à fond là-dessus. Hein. Allez Coco, allez. Voilà, super, voilà, tu gardes le max de vitesse dès le pied de la bosse. Hein. Là, tu continues, tu gardes ton braquet le plus longtemps possible, on s'arrache. Si tu vois que tu perds la vitesse, tu te mets en danseuse, mais pour l'instant, c'est super, là. Allez, c'est super, ça va aussi vite qu'Hélène, là. Allez, c'est super, allez, allez, allez. On s'arrache jusqu'au sommet, on relance, super. C'est super, t'as monté à 35, c'est super, Coco, allez. Ah, tu relances à la sortie, tu relances à la sortie, tu relances, et voilà. Et il passe bien ce virage, allez. Super Coco, tu l'as super bien passé là, maintenant grosse relance là. Allez, allez, on s'arrache, t'es à mi-parcours là. Allez Coco, allez, allez. Allez, en position. Jusqu'à la sortie du virage, tu pourras relancer à la sortie du virage à droite si tu veux. Allez, on garde le braquet, super, super, allez, allez. Là, ça va replonger, là, tu vas prendre de la vitesse, là. Allez, Coco, allez, allez. Tu plonges, tu prends de la vitesse tout de suite, là, on donne tout, tout de suite à l'entrée du virage. Bien sur la gauche, voilà, là, super. Ça va très vite, là, ça va plus vite qu'Hélène, là, c'est super, Coco, allez, allez. Allez, bien à gauche, et là tu prépares une grosse relance, tu prépares ton braquet, il passe bien ce virage Coco, il passe bien, allez. Queen. Ah putain. Allez, une grosse relance Coralie, c'est maintenant, c'est l'avant-dernière relance, là on donne tout, hein. Faut prendre le max de vitesse avant la descente, là. Allez, allez. Allez, tu suis la moto, tu vas prendre sur la droite un petit peu, tu plonges là, allez Coco, on baisse les dents progressif, allez, on... Allez, le max de vitesse tout de suite, là. Allez, on va chercher la gauche de la route, là, la gauche de la route. Allez, on plonge. Allez, 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 allez. Allez, Coco, allez, allez, t'es loin des 3 minutes, là. Allez, on s'arrache. Allez, allez, jusqu'en haut. Allez, on garde la vitesse. Allez, allez, allez. Tu fais un super truc, Coco, là. Tu fais un super truc. Allez, allez, allez. Allez, on s'arrache. Allez, Coco, tu vas prendre la gauche de la route, là. Là, tu vas te mettre sur la gauche pour préparer ton virage. T'es à 3 minutes, là. Allez, tu nous fais un super truc, là, Coco. Allez, on s'arrache.
Un sprint jusqu'à la ligne, Allez, allez, jusqu'au bout, Coco. Allez. Allez. À 3,20 en même temps que Hélène. Team Hightech Products avec la belle particularité de saluer Audrey Cordon dans quelques instants, l'ancienne lauréate de Cholet-Pays-de-Loire qui nous rejoint, qui aura encore de très très belles ambitions cette année, qui avait un large sourire l'an passé à Boulogne. Vous allez voir comment elle parle très très bien le français. Ça va. Tu me disais, est-ce que tu parles français? Bon, est-ce que tu vas bien? Ça va bien. Pour quelqu'un qui ne parle pas le français, c'est plutôt pas mal quand même. L'étape, là on va traduire, l'étape en anglais, ça va être plus facile. L'étape aujourd'hui, un contre-la-montre, c'est un avantage pour toi, ce contre-la-montre. Tu avais envie encore de gagner cette année. Ah oui. C'est un bon résultat pour moi en contre-la-montre. J'ai discuté avant en contre-la-montre. J'ai compris pourquoi ça n'allait pas et maintenant les résultats sont meilleurs. Et il y a, dans deux jours, il y aura le contre-la-montre de Radenac qui sera encore une bonne nouvelle. Elle avait déjà gagné sur le Tour de Bretagne l'an passé, quatrième au classement général. Félicité par le président du comité de Bretagne, ce marchand qui nous a rejoint. Merci encore de lui faire une très très belle ovation. Oksana qui va s'avancer. Un tonnerre d'applaudissements en musique pour Oksana Kondratchuk. Merci Oksana, il en est juste derrière là-bas pour accueillir Audrey Cordon, deuxième de l'étape. Félicité par Éric Puron, donc premier adjoint de Plédran. Je vous en prie. Voilà. Les félicitations donc à Audrey, à qui on va demander son sentiment aujourd'hui. C'est vrai que c'est peut-être un sentiment de bonheur déjà. Récupération juste après ce prologue. C'est vrai qu'après avoir remporté l'édition de 2013, c'est une ambition pour encore cette année de remettre ton nom au palmarès. Oui, c'est sûr, je suis venue pour gagner. J'ai la chance d'avoir une super des super coéquipières et une coéquipière de luxe, Elisa, qui termine première aujourd'hui. Non, on est venu là pour gagner, on va pas être 5 au départ, c'est clair qu'on va tout faire pour garder cette première place et pourquoi pas faire les deux, ça serait parfait. L'an dernier, Radenac t'avait permis de prendre le maillot. C'est ce maillot que tu n'avais plus quitté jusqu'au terme. On sera encore à Radenac pour un contre-la-montre. Est-ce que c'est l'objectif encore de confirmer dans le contre-la-montre ou également sur les étapes qui vont venir dès demain à Saint-Malgrand? Non, je crois qu'on va prendre chaque départ pour gagner. On a la force pour le faire. On a vraiment une bonne équipe. Voilà, on est venu là pour chorégraphier. Je ne vais pas cacher, c'est l'objectif. Est-ce que justement il y a une leader avouée ou que ça pourrait venir naturellement, ça va se faire naturellement dans l'équipe? Bah, c'est sûr que l'équipe et moi-même on a à cœur à ce que je récupère ce maillot, mais que ce soit moi ou Elisa, honnêtement, je m'en fiche, ça sera bien. Ça sera très bien et on va suivre ça avec beaucoup d'attention dans les jours prochains. Vos applaudissements de nouveau, Audrey Cordon, merci pour elle. Très très belle performance qu'elle a réalisée puisque c'est la seule à être passée sous les 3 minutes et 14 secondes. Elle a réalisé cette performance avec beaucoup de talent et d'éloquence. Merci de l'accueillir comme il se doit, Elisa Longo-Bordini. Elisa, merci Pascal. Elisa qui sera félicitée par Stéphane Brien, monsieur le maire, qui va se faire un plaisir.
de la féliciter. Donc, alors, monsieur le maire, vos camarades vous ont volontairement laissé le bouquet à remettre parce que c'est vous qui faites la traduction et maintenant. Donc voilà. Elisa, tu parles français ? Un petit peu. De toute façon, si tu as besoin d'un coup de main pour traduire, tu demandes à monsieur le maire, il va faire ça avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, le contre-la-montre, c'est une discipline que tu aimes bien en tant que championne nationale d'Italie. Quand tu es championne nationale d'Italie de contre-la-montre, c'est une discipline que tu aimes bien, le contre-la-montre. Oui, je viens de la contre-la-montre, mais je suis très contente d'être ici en Bretagne. On ne dit pas un pays, on dit une région, parce que c'est la région Bretagne. Tu apprendras maintenant un pays. Pas la France, la région Bretagne, on insiste bien là-dessus. Merci d'applaudir encore Elisa Longo-Bandini. Ne perdez pas une miette du sourire d'Elisa, puisque Elisa va retourner là-bas. Son sourire que vous avez vu il y a quelques instants, vous allez certainement le retrouver dans quelques secondes de nous. Bien évidemment, elle ne portera pas les deux maillots demain au départ de l'étape, mais elle a fait une superbe étape aujourd'hui. La reine de Plédran, elle a été décernée par son chrono. Madame, monsieur, vos applaudissements et bel accueil de nouveau à Elisa Longo-Bandini. Une musique qu'elle apprécie particulièrement, ça lui rappelle un an en arrière. Et l'occasion d'être deuxième de l'étape, elle va se placer juste à côté de sa coéquipière. Madame, monsieur, à nouveau, bel accueil à Audrey Cordon. Et bien sûr, très très belle étape qu'elle a vécue, elle se rappelle Bifignac. L'an passé, elle se rappelle du classement général où elle était. Quatrième, bel accueil de nouveau à Oksana Konjonchuk. Merci pour elle qui va se positionner juste là-bas, de l'autre côté. De l'autre côté, voilà. C'est la surprise. Alors, on va tenir, voilà la photo tout d'abord. La surprise, je vais inviter Michel. Je ne sais pas si c'est Michel qui explique. Michel, une surprise, comme c'est les 25 ans, écoute, venir là, comme c'est les 25 ans du Tour de Bretagne féminin, vous allez assister dans quelques instants, on va inviter les photographes à être prêts parce que ça va partir très très vite, à une surprise de taille. Championne. Normalement, si tout va bien, elle revient dans 10 jours. Voilà. Dans 5 minutes. Merci à vous.